got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite, they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in faith, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. Salut à tous. Donc vous venez de voir le avant après et on va partir tout de suite sur un tuto donc d'un mid fade qui plonge un peu. Donc là on a vu la ligne directrice, ensuite je vais prendre mon trimmer que je vais passer à l'envers pour c'est la zone où je vais venir avec mon shaver et ça va se dégrader tout seul quand je vais passer dans cette zone. Donc ça c'est la méthode faded culture. Allez voir leur chaîne si vous n'avez pas encore vu, moi je kiffe et leur technique elle est sympa, elle est différente de ce qu'on voit d'habitude. Parce qu'en fait c'est un dégradé à l'envers. Mais vous avez vu plusieurs fois sur ma chaîne cette technique. Donc après on enchaîne sans sabot, levier ouvert. Donc ça c'est la tondeuse, c'est la gamma. Dessus c'est une autre lame que celle qui arrive d'origine. Enfin non, c'est la lame qui arrive d'origine, mais la première que j'ai reçue c'était pas cette lame. Là c'est la Faper. C'est en gros entre une fade blade et une taper blade. Mais il faudrait que je fasse une vidéo sur les lames. Parce qu'il y en a tellement. Et tellement de lames aussi sur les trimmers que on sait plus quoi prendre, on sait plus quoi utiliser. Donc je vous ferai ça. Donc là on a fait le sans sabot levier ouvert. On va tout de suite faire le sans sabot, le levier ouvert avec le sabot 1. En fait, leur technique à eux, Faded Culture, c'est qu'ils font les trois étapes tout de suite et ils dégradent après en partant du haut. C'est ça le principe de leur technique. Donc là, on est sabot 2, levier ouvert. On vient créer la ligne. On fait bien le mouvement en geste de C pour pas rentrer dans la masse. On va passer le sabot 3 pour désépaissir en haut, en fait. Pas vraiment désépaissir, mais pour commencer la jonction avec le haut. Voilà, je finis la jonction avec le ciseau désépaississeur. Mais je sais pas si c'est vraiment la chose à faire. Je sais que Faded Culture, ils font comme ça, mais je pense que peut-être le paint ciseau serait plus... Enfin, ciseau normal serait plus efficace. Je sais pas trop. J'ai commencé en salon. Là, je vais avoir plus de temps pour tester les choses. Et je vous ferai un retour là-dessus. On est parti pour dégrader les lignes. Donc, sabot 1,5, levier 3/4. Hop. On va venir dégrader la ligne qu'on a fait avec le sabot 2 de 6 mm. Voilà, je travaille avec les coins de la tondeuse. On part ensuite sur le sabot 0,5, toujours 3/4. Et on va venir enlever la ligne qu'on a fait avec le sabot 1. Voilà. On essaie de bien dégrader, bien faire le mouvement en C. Et il va rester encore une petite ligne qu'on va enlever avec le sabot 1, même position. Voilà le sabot 1. On voit juste une petite ligne légère et là on va venir l'alléger au maximum, tranquillement. Sans sabot, on va venir casser la ligne, donc levier fermé. On monte un tout petit peu. On va faire un aller. Ensuite, on va mettre le levier à la moitié. On va faire un retour. Et après, levier ouvert. Avec le levier ouvert, c'est vraiment... On s'ajuste.
Donc voilà, j'arrive en bout, on voit que ça a déjà bien enlevé, ça a bien dégradé. Est-ce que je fais le retour ou est-ce que je pars de tout à gauche? Je pars de tout à gauche, voilà. C'est pas un retour, mais c'est un deuxième aller. Donc voilà, milieu, je passe un tout petit peu plus haut que ce que je viens de faire. Surtout, faut pas monter trop, hein. Et voilà, levier fermé, ouvert à fond. Hop, et là, on lève bien. On fait bien le mouvement en geste de C et normalement tout se passe bien. Donc là on prend le sabot 0,5 pour la phase de détail. Toutes les zones d'ombre qu'on voit, on va venir taper dedans tranquillement sans recréer de ligne. Là on est vraiment dans le... On va peaufiner en fait notre dégradé. Voilà, une fois qu'on a fait les détails, donc moi je repasse un petit coup de trimmer un peu en biais. Je trouve que ça, sur la ligne qu'on a fait au sans sabot levier fermé, bah ça vient améliorer la chose. Mais ça c'est optionnel. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les cheveux du dessous et on va venir faire le mouvement en C sur la fin pour qu'on voit en fait l'endroit où le shaver va passer. Faut pas laisser des cheveux trop longs. Mais là on voit, il reste une petite zone foncée, c'est là où on va passer avec le shaver. Et puis au moment où on arrive sur la ligne, bah, c'est là où on va venir lever pour pouvoir se dégrader dans ce qu'on a fait juste avant, enfin au tout début avec le trimmer à l'envers. Donc voilà, on arrive gentiment sur la fin. Je vous laisse avec le avant-après. C'était Norman Bates. Ciao à tous. N'oubliez pas de vous abonner. Bisous.